Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas de bélé. Il y a une parabole, il y a 10 vierges. Mais la Bible s'interprète d'elle-même. La Bible n'est pas faite spirituellement. La Bible n'est pas de Dieu comme l'épouse, notre épouse. Mais si tu as dit que non, pasteur, il y a un bélé parce que nous avons un polygame. Non. Dieu est esprit. Et la parole de Dieu est esprit. Et la Bible s'interprète d'elle-même. Donc, faiblesse, il y a un kobo. Au moins, il y a une faiblesse, il y a un kobo. Il faut s'accrocher dans la littérature. C'est quelqu'un qui connaît la lettre, il a lu la Bible, il connaît des versets pour défendre sa faiblesse. Ah, okay. Oui, il y a une faiblesse, il y a une basse trop. Il y a une basse trop. Est-ce que faiblesse, il y a une connaissance. Il y a parole, il se cache derrière. Les liens sombres de la ville cachent beaucoup de brigands. La Bible est égard à l'alliance, car les liens sombres de la ville cachent beaucoup de brigands. Lorsque vous êtes à l'ignorance, vous lui connaissez, maintenant c'est fait Dieu. La connaissance des fois égare les gens. L'odeur ou le parfum. La Bible a dit quelque part, la bonne réputation vaut mieux que des grands parfums. Spirituellement, ce qui bat par contre pousse en apembe, il y a une élévation. Et ça a solo malam. Équilibre télévision. Tout le monde aime équilibre parce qu'ils ont un solo à malam. Très bien. Et ça n'est pas vie à battre. Ce que moi, je porte comme je fais ma vie à moutou, c'est que a dégagé solo malam. Mais ce que moi, je porte belé et que moi, quand je mets la vie à moutou, et a dégagé solo malam. Mais n'interprétons pas, c'est-à-dire, ils y sont en train d'interpréter la lettre. Vous voyez? Il fait qu'interpréter la lettre. Il n'y a rien de spirituel. Il y a quelle révélation? Parce que quand on parle des 10 vierges, l'époux doit venir, la Bible parle de l'église. La Bible parle de l'église. Ceux qui seront pris, ceux qui auront le Saint-Esprit, seront enlevés. La Bible ne parle pas que pasteur ou nous sommes vierges 10 au bas là-bas. Non. Donc là, c'est la lettre. L'homme de Dieu là interprète que la lettre. Il ne donne pas la révélation. Donc, il a la connaissance littérale de la parole de Dieu. C'est la littérature. Occulte, ce qui est occulte, c'est ce qui cache quelque chose, une vérité cachée. Ça peut être occulte. Moi, je peux dire, ça peut être occulte. Parce qu'il a 30 enfants, il a 13 femmes officielles. C'est les sangs des Kassaïens, en fait. Ne nous cachons pas derrière la parole de Dieu, mais c'est les sangs qui coulent dans ses veines. Les sangs loubala. Les sangs loubala de la polygamie. Quand tu as ces sangs-là, et tu commences à chercher des versets qui correspondent à ton sang et à ta faiblesse, vous voyez. Donc, tu chercheras des versets qui correspondent à ton sang et à tes faiblesses. Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, bienvenue chez nous et merci pour la confiance. Jérémy Luemba, les renards du désert est devant vous. En tout cas, abonnez-vous, commentez, partagez cette émission pour édifier les autres. On va essayer de parler sur les réalités spirituelles, sur l'actualité également avec l'homme de Dieu AGK, l'apôtre Gédéon Kaimbe. L'homme de Dieu, merci d'être venu. Bonjour. Bonjour, monsieur Zemba. Voilà, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je crois que tout va bien. Tu auras démarré la prière, papa. Ouais. Nzambe, tu pas mbolio, tu peux sur merci. Tu recommandes mission dans ma boko na yo. Et allez, mission que même un changement. Ils allaient mieux que toucher ma vie, ils allaient mieux que même ma transformation totale et palpable. Na combo na Jésus Christ, amen. Amen. Voilà, nouvelle semaine. Je crois que Badindeko Bélé, Bazan a besoin de prière, na vie na bango parce que kola la kola mukesa habitudité, comme on l'a dit, l'homme de Dieu. Je crois que déjà d'entrée de jeu, na bato Bazan a posé sa prière quoi ça bon. La prière, ils aillent logement très important. La prière Isali est le que la délivrance. La Bible a dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. La prière est le plus grand remède de la souffrance. Moni. Donc tout le monde, la souffrance dans tous les domaines, dans les aspects financiers, l'aspect marital, dans les aspects de la vie, la prière est un grand remède pour la souffrance. Quand tu souffres, prie. Quand tu es dans la joie, loue l'Éternel, chante des louanges. Mais tu as remarqué, bapebele. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème parce que le diable a essayé de ternir l'image des hommes de Dieu. Or, il y a un pasteur qui a été fait pour que Jésus-Christ. En fait, la Bible dit tout souverain sacrificateur est pris parmi les hommes pour les services de Dieu pour les hommes.
omoni baza basali ya nzambe nzambe bango baza batu mais nzambe établir bango pona batu bango baza na mabunga masengi ba ngena olele pa nzambe na temps oyo tolongo la ndi distraction ba pasteur basali boy ba pasteur ba bali moins de donc les diables tenter de distraire l'église pour na ko lembisa batu o baza na souffrance ba sambe la tebo baza traitement na bango babika. Voilà, ça c'est très bien. Le peuple est égaré par rapport à plusieurs réalités, l'homme de Dieu. Mais quand même, il y a plus de parents, il y a plus de responsables. Je suis un peu le cas. Tant que nos jeunes fillettes, le pasteur casse à Bali, il a épousé, et puis nous sommes un pasteur, comme étant un cadeau. Et puis les parents, il y a eu une vidéo, on est choqué plusieurs d'entre nous. Hein. En fait, y a, j'ai la doctrine, c'est une, je ne sais pas si c'est la doctrine, c'est quel genre de doctrine. Ou c'est quelle façon d'interpréter la parole de Dieu. Nabi que la polygamie, c'est Dieu lui-même. Dieu est un polygame. Là, c'est spirituel. Là, c'est parce que Jésus-Christ, Adam Ba là-bas, c'est belé. Adam Ba là-bas, c'est belé. C'est une parabole, il y a 10 vierges. Mais la Bible s'interprète d'elle-même. La Bible n'est pas faite spirituellement. La Bible parle de Dieu comme l'épouse, notre épouse. Puis surtout, Abbas Sinaïe. Mais le but est que nous, pasteur, au bas là-bas, c'est belé parce que nous sommes polygames. Non. Dieu est esprit. Et la parole de Dieu est esprit. Et la Bible s'interprète d'elle-même. Donc, n'interprétons pas. C'est-à-dire, il est en train d'interpréter la lettre. Vous voyez? Il fait qu'interpréter la lettre. Il n'y a rien de spirituel. Il y a quelle révélation? Parce qu'on parle des 10 vierges. 10 vierges, l'époux doit venir. La Bible parle de l'Église. La Bible parle de l'Église. Ceux qui seront pressés, qui auront le Saint-Esprit, seront enlevés. La Bible ne parle pas que les pasteurs nous ont vierge 10 au bas là-bas. Non. Donc là, c'est la lettre. L'homme de Dieu là interprète que la lettre. Il ne donne pas la révélation. Donc, il a la connaissance littérale de la parole de Dieu. C'est la littérature. Pierre Casse. Il littéral. Comment est Pierre Casse. Vous voyez bien. En fait, il lit littéralement la Bible. Et maintenant, les gens qui ont cette faiblesse, il y a un kobo. Au moins, bato bana faiblesse, il y a un kobo. Ne baso s'accrocher dans la littérature. C'est quelqu'un qui connaît la lettre, il a lu la Bible, il connaît les versets pour défendre sa faiblesse. Vous voyez, à la faiblesse, à l'ingibasi trop. Est-ce que faiblesse, le quoi, à la connaissance, il y a parole, il se cache derrière. Les liens sombres de la ville cachent beaucoup de brigands. La Bible est égard à l'alliance, car les liens sombres de la ville cachent beaucoup de brigands. Omoni, lorsque vous êtes à l'ignorance, vous lui connaissez, maintenant c'est fait Dieu. La connaissance des fois égare les gens. C'est la lettre, tout ça c'est la lettre. Ce n'est pas de la révélation. Il peut nous montrer, il est écrit, mais c'est la lettre. La Bible dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. L'esprit de la parole. Voilà, on a besoin de l'esprit, on a besoin du réma, pas la lettre. Alors, tant qu'on a lu l'homme de Dieu Pierre Casse et ses femmes et sa façon de parler, bah, pécé, moi, c'est mon sou cadeau et tout ça, car c'est humainement parlant au Golobani. Il rend que ses fidèles captifs par l'ignorance. Et en Bible, lui, mon peuple périt faute de connaissance. Il rend ses fidèles-là captifs par l'ignorance. Il doit bloquer Bango. Ça, c'est ils sont inoptisés. Il vit comme un roi. Un fou moula, tu vois. Mais dis donc, papa. Ça, c'est la lettre. Ça, c'est du pharisianisme. C'est un docteur de la loi. Malheur, la Bible dit, malheur à vous, docteur de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même, vous n'êtes pas entré et vous empêchez à celle qui veut d'entrer d'entrer. Ouais. C'est un docteur de la loi. Mais justement, t'as encouragé ou bien tu peux dire quoi? Est-ce que moi, c'est spirituel ou bien? Non, ça c'est des excès de zèle. C'est des excès de zèle. Vous savez, tant où tu te prétends que tu connais, ça te donne le luxe de faire tout ce que tu peux. Dans l'angle logique, dans l'analyse au bon. Excès de zèle. Dans l'angle spirituel, pour la longévité et le rajeunissement. Tu as la spiritualité, la routine, la amitié. Ou bien ça fraîche, pourtant quand on demande à ban amiqué, il y a aux alarajeni, à Jésus pour ça na, à Zokola, ban on demande à batata, ban cola, ban casimba la mort, et un des mots de batata on demande à ban amiqué. Donc c'est pour se rajeunir, à longévité, à encore fort, énergie, tout ça. C'est sur le plan spirituel, moi je peux dire ça en fait. Donc c'est la sorcellerie autrement. Ça peut être des pratiques occultes. Ce qui est occulte, c'est ce qui cache quelque chose, une vérité cachée.
ça peut être occulte. Moi, je peux dire, ça peut être occulte. Parce qu'il a 30 enfants, il a 13 femmes officielles. C'est les sang des Kassaïens, en fait. Ne nous cachons pas derrière la parole de Dieu, mais c'est les sang qui coule dans ses veines. Les sang loubala. Les sang loubala de la polygamie. Quand tu as ces sang-là, et tu commences à chercher des versets qui correspondent à ton sang et à ta faiblesse, vous voyez. Donc, tu chercheras des versets qui correspondent à ton sang et à tes faiblesses. Voilà un peu, M. Jérémy Luemba. Voilà, merci beaucoup. Cette histoire a choqué le monde. Mais ça se passe au Congo-Kinshasa. C'est ici que nous avons un homme de Dieu qui se marie 17 fois à Bengana 4 femmes pour leur comportement. Et les 13 sont là, chez lui, à la maison. Et tout le monde est âge na bango et puis ça semble être suspect. C'est louche. L'analyse est claire, M. Jérémy Luemba. Bana miki, ba pe sa rajeunissement. Tant que vous êtes là, vous avez besoin de vous donner de l'énergie, de rajeunir, de vous donner de la vitalité et de l'énergie. Donc, vous avez besoin de pratiquer mon spirituel. Vous avez besoin de vous donner. Vous avez besoin de vous donner. Vous avez besoin derrière la connaissance de des écritures, je pas des logos. Le monsieur, le pasteur en question, a la connaissance du logos. Peut-être qu'il cache les rimes. Il peut aussi avoir la connaissance du rime. Mais il cache les rémas parce que l'interprétation du réma peut ternir son image. Dieu n'est pas polygame. La polygamie de Dieu, dans quel sens? Nous sommes tous ces femmes. Nanga mobali, aza mwasa yesu, na mwasipe, mama, aza mwasa yesu, yosa mwasa yesu, le caméraman, aza mwasa yesu. On parle dans ce sens, on parle pas de la sens ya, tous va basse belé pour nous amener au modèle de la polygame. Très bien. C'est des trucs. Voilà, merci beaucoup. Alors, en dépit de ça, quand même, les Kambotas, les plus réalité spirituelle. Oui. Bato Bota, Bissoko, Bissabongon. Papa Jérémy, j'ai constaté quelque chose. La vie d'abord elle-même, la vie est spirituelle. La plupart des cas, le Seigneur vient de m'enseigner sur les odeurs. Les odeurs ou les parfums. La Bible a dit quelque part, la bonne réputation vaut mieux que des grands parfums. Spirituellement, ce qui bat comme qu'on pousse en apembe ni amoutou, net élévation, et ça solo malam. Équilibre télévision, tout le monde aime équilibre parce qu'ils ont un solo à malam. Très bien. Et ça n'est pas mon père vie à battre. Ce qu'on m'a porte comme qu'on fait ma vie à moutou, c'est que a dégagé solo malam. Mais ce qu'on m'a porte est belé, et comme qu'on a mis la vie à moutou, et a dégagé solo malam. Bon, la Bible, le Bible, dans Genèse 27, le verset 27, Jacob s'approcha et le baisa et sentit l'odeur de ses vêtements, et puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Voici l'odeur de mon fils, et comme un champ que l'Éternel a béni. Et Isaac a béni Jacob à cause de l'odeur, M. Jérémy Luemba. À cause de l'odeur. Bien aimé, et ça n'a pas tout belé. On a un peu de poteau. On a un peu de mais on a une odeur. Il y a un peu de poteau à stabilité. On a un peu de basse à bien. Il y a une réalité. Je suis un peu de parce que ma bébé est solo. Solo spirituellement et béba. Il y a un avantage. Il y a un peu de. Et ça, les spirituellement. Je suis un peu de solo. Je suis un peu solo. Là, tu pries, je suis mon image, mon émission, que maman Roboye, babwa kele solo yamabe, banda bo mwana na ye. Mi bali to kuta na bon ba kimaka. Solanzoto, papa. Et puis na ba révélation na sali. Ezana basi ebele. Bana solo pe anzoto na bo mwasi na bango. Mi bali ebele ba zui ba yombo, likola bikenda kena bibima bima. Papa, ce qui les gens bima na mwasi, oka e solo na se. Yeba ke anvuta vina yo. Article Yombo, après son libakala, il est important, il sera important pour toi de passer à la délivrance. Parce que solo, il y a moi si, et ça a deux significations. Soit, ayebi ko chocolaté, soit, dans la sorcellerie. Parce que le monde des ténèbres, va travailler avec le sexe. Et l'eau qu'on a bangwa makas, c'est le sexe. Bah travaille dans le sexe.
ce que bimina moi oyoke na se solo moko boy ezali oppression batini abebi sa destiné na yo donc ce que je bimana moi mo bazana solo na se yeba que odeur wana et ampita vie na yo toute ta vie tes relations est sous l'emprise de cette mauvaise odeur c'est ça mes chers. Mais le solo odeur ou papa ils a rappelé quand tu as parfum et tout ça ils a rappelé bah, c'est hygiénique non. Et ça, non, nous parlons des réalités spirituelles. La vie elle-même est spirituelle. Moi, j'avais une amie à l'université. Nerolangaï, mi bali baki maké pour la sola ibodo. Lui a tâté farfait à komoni mi sola ne s'il a raté. Ce qui mon bali a destiné na yé, a yé gokuta na yé, il faut sola ne kimi sa yé. A changé 17 mi bali. 17 mi bali. Donc c'est spirituel aussi. C'est spirituel. Papa, solo benga na rabatu. Oui. Foulou e benga na rabatu. Solo mabe benga na rabatu. Le temps que moi na batu bazo kima yo. Batu bazo boya yo. Batu bazo benga na yo. Yeba ke ozana solo mabe. Alors, ce qu'il faut sokola bango. Il faut qu'on sokola te. La Bible dit vous êtes purifiés par la parole que vous écoutez. La parole de celui qui purifie. Il y a des services spirituels ba ko leka na ngo bazo purification ko changer solo wana. D'abord, moi, je suis dégagé sur le fond, nous avons un service. Allez, la délivrance. On va les pères, allez, quand la solo. Il y a solo, il faut le gagner la délivrance. Parce que moi, ça suis chébout. Article l'onini. Libabé. Koumani mat. Yo ye. Okota. Solo bête arabe. Papa, moi, ça suis chébout. Comme solo, ils ont bête awa. Et si ma solo, bon, moi, tu as la vie, mon bimba. Au moins, on a mis mon bon côté. Tout est bloqué. Tout est bloqué, freinage. Bah combien le kilo. Il faut aller dans le service spirituel. Parce que l'odeur est spirituelle. Mmh. Une bonne odeur attire de bonnes choses. Imagine quand tu as un parfum moi bien. Ah, tu sens bon. Cela m'a bien boni. Cela n'y est aux autres. La bonne odeur attire. La mauvaise odeur chasse. Il y a beaucoup de gens. Oh, ba perdre ba porter mon ba tia ba solo ma b na zo ma non le papa le Jérémie le ba na auto prier pour na 24 femmes ou ba na ba solo ma b bon ba le na délivrance mais mon ko kabela ba ngote et na base muzara ba ba na poto ba relation katanaki après que ka service à délivrance mais Jérémie le ba porte de fonga mi ba donc ça dit ils sont très joyeux donc selon moi au bois que la tonine ma bois que la rabat ce rien moi avant de quitter c'est que ba bois que le ba bébé ça ba mauvais sort ba mauvais sort ba bien un sortilège. Alors, le message est lancé, très bien dit AGK. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de poursuivre l'émission. Je crois que Bato Baza concerné, Bato Baza catégorie ou on a Bato Baza solo. Nenge, l'homme de Dieu a révélé. Beaucoup bien les numéros affichés au bas de vos écrans. Opposé Kanayo, expliquez Nenge aux Alaka. Comment est-ce que tu dégages? Il va le plus aller là-bas pour Louana qui moi c'est mon robot solo, mon incroyable. Tu peux aussi te rendre compte à Bengipé, hein? Oui. Soko mama au milieu dit qu'on a au Sandra solo. Mi ba le ne ba ko bi sa ba si vérité té. Oyo ki moi simo solo lo sungaye. Olo sungaye o tikiye na faiblesse wana. A pe cho solo boné nini. Mo ko boye bi sa le kana ba traitement spirituel. Toi ke ni ko ba traitement munganga, ba besoin d'ba infection. Toi ze ba infection te za bi lo ba bois que la toza noki. Wa nak a petit solo moi kuna solo petit moi solo da faux solo mais au lieu ça mutuke a que solo moi faux solo dit a ta solo li metolo et la kaka donc moi soza na solo mobali oyo kuta de ou bimede na moi so au ka solo au faut vraiment le gana délivrance parce que ta vie est bloquée, ta vie est vraiment, ta destinée est amputée. Apôtre AGK, merci beaucoup. Alors je crois que il y a aussi des séquences et des vidéos pour balancer. Il s'agit de quoi? C'est la délivrance. C'est la délivrance. Nous sommes en église. Parce que le prophète, il est en internet. Il y a un fixe, c'était papa. Et internet, comme un champ d'action, il y a un pillé peuple de Dieu. Vous allez voir comment nous sommes en train de faire le travail. Merci, Jérémy. Loba, délivre-nous des mal.
Loba Seigneur, délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous du mal. Maman a passé l'âge à une année. Noko a baliena 9 ans. Allié déjà pas la combien? 5. Azo c'est l'allié sur 4 ou 4. Ache bango, basique. Mon Dieu, diabète. Diabète. Van amitié. C'est tout le diabète, sa maladie à Nicolo. Papaka. Papaka, mais ça. Aujourd'hui, nous avons un amour qui est un secret. Jésus. Van amitié, il y a un bonbon, il y a un biscuit. Et ça, il y a un bonbon. Moi, je suis un secret. Vous avez un bonbon? Et l'autre, on a un bébé siago. Hey, un bébé siago. Hey, un bébé siago. D'accord, on a un yes. Hey, hey. Au chef, on a un basique. Na sakola tola sakola te sakola mobali to mwati nyo sabutu oya kangayo na kwa isiye na kwa isiye na kwa isiye amen libala no za libere yes kobota no za libere yes bana no ba za libere yes nyoso ya yo za libere yes na lo pie za libere yes na lo pie za libere yes na kwa isiye Je vous dis pendant 40 jours, tu vas qui prophétie, délivrance, guérison. Yes. Madame, c'est que tu es arrivé. Tel est mitzaï, maman. Tel est l'ongola bébé, on n'a pas maman. Yaga na maman ici. Yes. Et ça me connaît défense. Boya na ye ici. Allongoli, bidon na ye. Allongoli. Allongoli, nyos. A changwa. Na ma belle, na patou. Voilà, merci à la régie finale pour cet élément. Je crois qu'on est allé service et à délivrance dans l'église. Maman, la zone longue, la bilo. Esprit, ou est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que après ça, moi, on a deux ans sucre à Kindoki. Imaginez-vous, moi, on a deux ans, je vais pêcher, je vais boire les sucres. Diabète. Diabète. Papa, la vie est spirituelle. Très bien. Donc, la vie que nous voyons, ils ont un tac, mort, batamité, ma baille. Donc, moi, on a un mois, si, je vais boire les solo. Mi balle, parce qu'il m'a une très belle femme. Juste après la délivrance, on a un balle, mon balle, mon sou, on a vie numéro stable. Mm-hmm. On dit donc, vie est spirituelle. Au moment où fait, les gens en ont marre, il y a Roland, il y a pasteur, il y a médias, parce qu'ils savent qu'ils sont tous le même, il y a escro, il y a fanya, batou. Mais au fait, il y a on a établi pour l'abisson. Ton dit, ma bango. Yom to l'andi, major, l'andi, papa. La Bible dit, tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple.
So example moni tamso na kamoko outre bongo zamba wende biso pona yo benga biso na nimewa okoleka na service o mona ka vie normalité bibali bakima ka yo o père dara musala oza stabilité na vie stabilité sociale ezate blocage énorme appelle nous nous allons prier pour toi et le Seigneur de gloire se manifestera. Alors quelle est votre compréhension par rapport à la prophétie lelo en la fait, prophétie lelo et comme le rôle na mode et puis prophétie en opé et comme il y a ba fou et comme ebelé entre temps ils ont divisé puis ba famille ba clan ebelé au colo bani par rapport à la compréhension de la prophétie. D'abord nous avons les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Qui est un prophète? Un prophète c'est un messager, c'est un porte-parole. Il est dans le conseil, il écoute ce que Dieu dit, il vient, il prédit. Dans cinq jours, il y aura ceci, il y aura ceci. Le prophète, c'est celui qui apporte la parole de Dieu. Il annonce ce que Dieu veut faire. Il vient nous montrer les intentions de Dieu. Tandis que ce que nous voyons, ce sont que des petits dons de paroles de connaissances. Des dons de révélations, des dons de paroles de connaissances. Dans mon petit chemise à bleu, dans mon petit bijou, tata moi, c'est un avant de ranani ni yene ndoki ouais ça et ça n'aura pas et ça n'aura parole de connaissance. Il y a rien de la prophétie. Dans la prophétie nous avons la prédiction et les signes, c'est à dire prédiction oh on a manga ça à lobby bah prophète est belé à qui si bah ils arabes tout le monde impressionné tout moni on a tiré le manteau rouge la carte on a la caleçon rouge tout à blé on a la caleçon à vert on a tiré polo à jaune là c'est pour impressionner, c'est les dons de la parole de connaissance. Ce n'est pas vraiment forcément la prophétie, c'est une parole de connaissance. La prophétie, c'est prédire. C'est ça la prophétie. Alors, très bien magnifique. Cet exemple, en fait, moi j'ai prédit qu'il y aurait élection. J'ai prédit que le président sera toujours Fatih. Et on a eu beaucoup de prophéties plagiat. Et on a eu Batouba Loba qui est salémité. On reconnaît un vrai prophète quand il dit quelque chose, il arrive. Prophète, l'obé et l'hôtel où ça peut être Élysée, à la ville à Saramari, à l'obé demain à 7h, farine au quitte à 1000 francs, ma foutu de comme à 500 francs. L'obé peine à 7h et Salemi. L'officier près du roi, Tchaki Tembabi, toi tu verras mais tu ne mangeras pas. Le prophète annonce des choses. Il annonce, il prédit. A bien d'abord, médium, voyant. Il s'est dit, oh maman, il y a une autre. Comment il a ça la voix. Mais la prophétie, c'est prédit. Il y a une différence entre la voyance de choses présentes et la voyance de la prédiction. Donc les prophètes, son rôle, c'est de prédire. Donc, par exemple, on a une prédiction pour toi. Dieu nous a envoyé pour parler ce qui va t'arriver. Bon, on a même Jacob, dans Genèse 49, à Sangisibal, pour nous annoncer, Bango, Makamoura dans la suite de temps. Le prophète annonce les choses qui viendront dans la suite de temps. Partout où tu es en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Australie, appelle-nous. Nous allons prédire, nous allons t'annoncer ce qui t'arrivera à la suite de temps. Yamabe Torolongula, Yamalam de Salem. Alors, numéro de contact. Plus 243, 83. 68 70 333. Plus 243 83 68 70 333. Apôtre Gédéon Kaïm. Voilà, merci à GK, merci à Mimindou mais qui nous capte régulièrement depuis Moching là-bas en Allemagne. Merci à Sema Mayasi, femme légitime agence Mayasi Forza Italia. Les célèbres Dienzundu na Washington, grand frère propre. Les célèbres Dienzundu à Washington, le président Pedro Mutu, leader à jeunesse, association main dans la main, depuis la ville Fontaine, mais également partout en France. Tobo Sanité, le conseiller Papa Philippe et Kabouikou à Fribourg, depuis Suisse-Irlande, Maître Siza Soukama, puissance ami Kili, ainsi que Bato Nyon Soba Consommable. Émission d'Abisso régulièrement sur votre chaîne préférée, Équilibre TV. Voilà, merci à tout le monde, mesdames et messieurs. C'est bien moi, Jérémy Lemba, les renards du désert. Ça n'est fini. L'homme de Dieu est là. Son numéro est affiché au bas de vos écrans. Tout le monde a posé sa prière. Au tombe la vie à prière. Nous talipé kanayo, santé nayo, ba relation nayo, finance nayo, ba activité nayo, ba séjour nous na poto et aussi la vie de prière. Bengabiso, toko orienté yo pour que Nzambe a kangola yo. Merci beaucoup, Ajika. Merci beaucoup d'apprécier Maman Adeline. Bagueta Mtsuka, l'Australie, Nzamba Pambolayo, moi, l'apôtre Gédéon Kaïmbe, Maman Adeline Bagueta Mtsuka,
en Australie, à Baxolo, Mikole, Bela, Bundela, Longisayo. Merci beaucoup. Voilà, on est ensemble. Mbote mbote bandeko, ezali susu ngai mama Mika la cosmétologue, réparatrice à l'oposo. Comme toujours, n'est la bino ba produit naturel, fait à base à ba fruits sans hydroquinone. Yalele ya sika et ye, ma fouta ya bana, lait de beauté Mika bébé. En tout cas, ezali de 0 à 12 ans et ça la ba na bino ki toko makasi, je vous assure, bo sepela nango. Ezo bongisa po ya bana, ezo rendango lisse. Propre et très agréable et ça la bala moi na bima bambou mananzoto ba ma palata ba makodia ba nini en tout cas ezo soigner po ya bana ki toko makasi mama Mika memeli bino susu bandeko pomade na biso vimbovi pomade o ezali pomade raffermissante pona mabele bassin et puis bassin na ba mole. En tout cas, ezo vimbisa makasi bandeko bo sala ba commande bo passer ba commande na bino bo ko sepela nango makasi nzoto yaya papa mama to bongisa ngo kaka tozali na pomade na biso ya suki bato suki kata na rapamba pamba bato suki za la pepele bato bazana mabandi solution yango eye ba produit très naturel tozana pomade ya suki tozana huile ya suki huile oyo ezo sunga bato bazana ba salité na ba cuir chevelir na bango ba poussière ba loto yo ka mpusa yo so ba kango suki ko ma mal à l'aise solution yango eye huile na biso huile cheve Mika eko sunga biso makasi toza na pomade o ezo vimbi sa suki suki eko ma noir eko ma kitoko bande ko boya ebele tozali na crème na biso temetis pona basi ya pembe mi bala pembe bande ko nanga eko sala yo bien yo mtu pembe na e gata ya kambangu passe commande na eko komela yo Tobosanite basa mwindu basa chocolat mibala mwindu a chocolat crème de beauté Mika yango yo ezali pona bino bo passer ba commande et sala bino bien makasi tozana beurre de karité la biso pure bio yango ye bandeko silaki bo passer ba commande et ye tozana crème réparatrice Mika pona ba ta problème tampon cancer de peau ba rougeâtre ba noir nduta solution yangoye boya ebele tozana pomade anti sola mapeka na 2 jours apamba sola mapeka sili boya ebele tozana gommage café pona ko gomme longi ozana pona ma bouton graisse boki malombangu gommage yangoye tozana savon noir fait à base à café okozala très à l'aise na douche na yo boya ebele huile d'ananas yango naturel en tout cas boki mambangu toti kakocha choko toti kakocha choko ba mama ba papa na lobango air nyonso tout to na biso na possibilité nyonso ya ko retrouver te na biso normal oui ezale beba ke koma ki ndengeni na yebisa ka bino solution yango yo solution yango yo toti kakocha ka choko ba mafuta ezo bebisa batu toti ka hydroquinone numéro plus 243 89 98 27 674. Notre adresse, commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pozo numéro A17, référence cabine à courant.